De la joie, beaucoup de joie, ouais, parce que quand t'as pas gagné depuis des mois et que tu sais, quand tu es une équipe, quand tu fais du sport de haut niveau, t'es un compétiteur, donc la victoire est toujours quelque chose que tu recherches. Et quand elle t'échappe depuis plusieurs mois, c'est toujours difficile à vivre. Donc la première des choses, c'est la joie et puis de la fierté. Je pense que on retrouve une fin de match un peu similaire à ce qu'on a pu voir. 5 minutes, tu mènes, enfin 4 ou 5 minutes, je sais plus exactement, mais tu mènes au score et puis t'as 4 points d'avance. Et ça te renvoie sur les scénarios que tu as, sur lesquels tu as échoué précédemment. Et tu as réussi à renverser la vapeur ce soir avec une énergie, un stade qui a été vraiment super à la fin. Je remercie vraiment d'ailleurs les supporters pour avoir poussé derrière l'équipe comme ils l'ont fait là. Et puis cette solidarité. Mais entre pourquoi ça tourne pour nous et pourquoi ça tourne pas, des fois, il manque pas grand-chose. Mais en tout cas, ce soir, la pièce a tourné du bon côté. Soulagement? Non, pas de soulagement. Je serai soulagé le jour où on sera maintenu. Ça sera du soulagement parce que la mission sera accomplie. Mais soulagement, non, pas du tout. Juste de la joie et de la fierté de ce qu'ont pu donner les mecs ce soir. Vraiment beaucoup d'énergie. Le banc qui a apporté beaucoup. Donc voilà, soulagement, non, je suis pas soulagé. Bon, et après, on n'a pas fait un match, on n'est pas champion du monde ce soir, hein. On n'a pas fait un match parfait, mais par contre on a été constant dans l'agressivité, dans l'intensité, de bout en bout. On n'a pas eu de baisse de régime, un peu de mémoire en début de seconde mi-temps. Mais voilà, après c'est une équipe comme ça, extrêmement massive, il fallait pas baisser de rythme. Je pense qu'ils nous rendaient 10-20 kilos à chaque joueur, donc il fallait qu'on exploite d'autres façons de les battre. Et notre agressivité, notre envie a fait qu'on a pu gagner ce soir. Ouais, honnêtement, c'est top. Les remplaçants, ils ont fait un boulot de dingue. Vous parlez de Nico Corato, moi je trouve ça énorme. Il a une pénalité en mêlée. Pour lui, il marque l'essai. Ben voilà, c'est top, c'est ce que il a été blessé, il répond comme ça sur le terrain.